Eh ben les enfants, vous avez de l'imagination, là, vous m'avez construit une cabane dans la cuisine. Voilà. On est bien là. Mes frères, comme vous savez, je suis parti de Dubaï sans bijoux, sans rien. Du coup, ben, pour moi, c'est l'occasion idéale de passer à Marseille, chez la Paradjan. Parce qu'ici, il y a plein de bijoux pour hommes et des bijoux que j'adore. Voilà, là, je vais pouvoir un petit peu profiter de la nouvelle collection parce que je suis à domicile à Marseille. Donc, trop bien, j'adore venir dans cette boutique. Il y a vraiment un choix de dingue. Donc, regardez là, on a des vitrines ici, hommes. Mais on a également des vitrines pour femmes. Donc les trucs comme ça, c'est ultra stylé. Vous composez vous-même votre mot que vous voulez en collier. Le petit nounours, j'adore. Donc tout ça, c'est pour femmes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ici l'homme. Pas mal ça. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Il faut savoir que j'ai choisi un collier ici qui est là, regardez là, la double croix avec les perles noires, sauf que moi je voulais des perles blanches parce que j'ai déjà beaucoup de colliers avec des perles noires. Il faut savoir que ce sont des perles naturelles et moi du coup ben, je voulais un combo blanc avec le bracelet et le collier. Du coup ici à Marseille il y a l'atelier qui est directement derrière la boutique et ils sont allés me le confectionner sur place. C'est un truc de dingue, si vous voulez on va aller jeter un œil. Alors, regardez, voilà, je suis dans l'atelier. Bonjour! Et là, ici, ils sont en train de confectionner mon collier. Immédiatement, c'est un truc de ouf. Je vais vous montrer. Ah ben voilà, bonjour. Bonjour. Regardez, il est ici, préparé à la main, comme on dit, cousu main, avec les perles que j'ai choisies. C'est un truc de dingue. Alors les frères, ça y est, j'ai fait ma sélection. Regardez, je me suis vraiment un kiff. Donc ce collier que je me suis fait confectionner ici dans les ateliers là sur place, je voulais vraiment des pierres blanches comme ceci parce que j'ai flashé sur le bracelet qui est assorti. Donc ça, c'est un bracelet avec des pierres naturelles. J'ai pris le jonc qui va avec et la petite gourmette avec la pièce, la petite bague et le bracelet en cuir ici noir et bleu. Voilà, au moins là je suis vraiment au top du top. J'en peux plus des fratés, je me bats avec la piscine. Ah, ça marche super bien là. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, j'ai trouvé. Ah, je suis content, j'ai trouvé. Ah oui, j'ai vidé l'air par le manomètre, j'ai ouvert le moteur. Ça y est, ça part. En fait, j'avais les turbines, là, ça poussait plus ici à ce niveau. Tu vois là, là? Tu vois la turbine pousser là? Ben, ça bougeait, ça poussait plus, le moteur, il était encrassé le moteur. Et elle le pousse toute là. Ah ben voilà. Ah ben ça tourne. Ah ben ça y est, je pense que d'ici 2 jours, l'histoire est réglée. Ah ben voilà, je suis trop content. Yes, putain, je suis bon. Bon le fraté. Vous savez ce qui me fait plaisir quand je me réveille? C'est quand je me réveille avant mes enfants. Quand je me réveille avant mes enfants, je ne sais pas pourquoi ma journée, elle part bien, tu vois. Quand ils sont arrivés avant moi, je ne suis pas content. J'ai l'impression qu'ils ne se sont pas assez reposés. Là, je suis bien. Là, je suis réveillé en premier, là, je suis bien. Bon, les fratés, en tout cas, je suis content. Ma piscine, ça avance super bien. Là, je l'ai fait tourner toute la nuit. Je l'ai mis en marche forcée. Les turbines tournent à gogo. On commence vraiment à voir le fond de l'eau. On voit d'ailleurs qu'il y a du sable. Donc j'ai un peu frotté. Je vais continuer avec ma brosse là. Voilà, ça y est. Là déjà la piscine est nickel. Je pense que dans 24 heures c'est fini. On peut se baigner. Mais je vais quand même être sûr de moi. Je vais bien tester l'eau. Je vais être sûr de moi avant de faire n'importe quoi. Voilà. C'est bien. On est bon là. Là on est bon là. Il va falloir lever ce sable là.